je fais pour être aussi beau. Mais je suis à l'image des étudiants du campus de la Salty Academy, c'est tout. Hein. Ah, je commence à t'aimer, PS, je suis un mec. Je sais. Ouais, je sais, je provoque euh, ça chez tout le monde. Ouais, je sais, je sais. T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est normal. C'est normal. Tu es en présence d'un mal alpha. Hein, c'est normal. Salut le vieux. Remember it. 13 ans, MDR, les 2010 sont déjà des iPhones avec Snap et tout, donc limite d'âge, etc. Mais c'est pour ça que je veux pas d'enfant, c'est mort. Moi, je jouera avec des bouts de bois, c'est mort. Et puis, dès qu'il voudra jouer à des jeux vidéo, je leur ferai jouer à tous les jeux vidéo sur lesquels j'ai galéré. Hein les jeux vidéo qui pouvaient pas se terminer, là. Les jeux vidéo de merde finis à la pisse. Les jeux vidéo interminables, où il n'y avait pas de fin, en fait. Où les mecs se sont dit, ouais, on va faire un truc bien, deux niveaux, mon gars. On va le faire jouer au Teenage Mutant Ninja Turtle. Ah ouais, les Tortues Ninja, t'aimes bien ça Bah, tu vas voir, ouais. Je vais le faire jouer à code 1 par 1 avant de jouer à code 17. Il jouera au Simpson sur NES. Allez, bon courage, bon courage, tu verras. Comment on pétait pas des câbles à l'époque, sérieusement. quoi. Maintenant, sérieusement, euh, vous avez avancé. Achievement. Ah, wouh, euh, super, trois niveaux. Piou, piou, piou. Sérieusement, le niveau dans l'eau des cauchemars. Maintenant, ouais, quand tu t'en chutes chute libre, là, infinissable ce truc. Infinissable le truc. Mais une frustration totale. Quoi. Ils joueront au, au RPG de Alex Kidd. Oui, où il y a des trucs que tu ne peux même pas deviner, c'est pas possible, t'es obligé d'aller voir des solus obligatoirement. Je fais, mais pourquoi ça en fait, ça n'a aucun sens. Non mais vous vous rendez pas compte les, les plus jeunes hein vraiment, hein. vous vous rendez pas compte par quoi on est créé on, on, on passe par quoi on est passé nous. Nous on a servi de bêta testeurs sur vos jeux de maintenant là. Ouais, c'est difficile Daniel. Là, vous, vous êtes en mode Ouais, j'ai attendu 3 minutes, à un matchmaking et tout. Mais mon gars, à l'époque, il fallait que tu sois un hacker. Il fallait que tu codes toi-même, tu vois. Que tu entres l'adresse IP de la personne, machin truc et tout. dans, dans l'interface machin. Tu faisais des formats de ces deux points de ton PC tous les deux jours. C'est-à-dire, toi, tu mets. Eh", toi toi, t'es en train de chialer quand tu mets une clé USB à l'envers. Mais mon gars, mais nous, on était tous ingénieurs à l'époque. À 12 ans on montait nos PC quoi. Et je déconne pas en plus. À 12 ans. Et c'était pas les PC de maintenant, tu vois. À l'époque, c'était vraiment de la merde, quoi. C'était vraiment de la merde, quoi. C'était. Eh Ça sent le cramé, non Eh bah il est mort. et eh, voilà, c'était comme ça, quoi. Ah non, mais c'était C'était comme la médecine au Moyen-Âge, quoi. Eh il fait la gueule. Eh bah il est. Eh bah c'est comme ça, mon gars. Bah ouais, bah un rhume, un rhume, Eh bah il est mort. bah fais pas chier. Ah, mais vous avez pas, vous avez pas connu ça hein L'écran, l'écran pour aller en LAN Oh 40 kilos Pourquoi j'ai des six gros bras <laughs> S'ils sont gros mais parce qu'on allait en LAN et on allait en LAN parce que c'était pas possible de jouer sur internet, il y avait pas internet, mon gars. Tu étais obligé Alors, en utilisant ton Nokia 3310 par SMS, mon gars, tu recevais un pigeon voyageur pour savoir que dans le fin fond du Vaucluse, mon gars, il y avait une LAN de 150 personnes dans un vieux gymnase. Où il faisait moins 30 degrés, mon gars. Moins 30 degrés. Tu jouais pas habillé avec ton petit maillot, là, de l'esport mon gars. Tu jouais en duvet. Et tu y allais. Hein, tu prenais ton bus ou ta Twingo de merde. Si t'avais 18 ans, tu vois. T'étais là en train de faire 12 euros. Ah euh, ouais, 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 non, on prend pas l'autoroute. Hein. Euh, l'autoroute, mais c'était le grand luxe. Et t'emmenais ton putain d'écran qui faisait 40 kg, ta tour qui faisait 70 kilos, quoi. Sérieusement, les claviers mécaniques, la clavier mécanique, mais regarde les claviers de l'époque, sérieusement quoi. Sérieux, le tout sans GPS, tu lisais des cartes mon bonhomme. Tu lisais des cartes. Non non non, L'écran cathodique 100 Hz qui prenait tout le coffre, mais bien sûr, le Yamaha Vision Master Pro 454, eh, on le connaît hein, c'est la ref hein, bien sûr. Hein, quand je l'ai au bout de 10 ans celui-là. Est-ce que les autres là Moi je suis en 75 Hz, 75 Hz, Et après on leur dit mais je joue en 100 Hz, tu vois. Non mais moi je suis en 75 Hz. Mon gars on on jouait en 100 Hz en 1999 quand même. En 1999, on jouait sur des cathodiques en 100 Hz. Hein, C'est ouf. <laughs> C'est l'époque de la préhistoire. Mais vous n'avez pas connu ça. Donc après, quand il y en a qui viennent de nous parler d'e-sport e et tout, un truc bidule. Euh, euh, heureusement qu'on était là. À trimer là. Putain, tous les week-ends, toutes les deux semaines, là. à faire les budgets et tout pour dormir dans des hôtels campaniles pourris. Et encore campanile, c'était le grand luxe, mon pote. Hein oh, Ouais. Et à l'époque, ah bah ouais, et quand bien même, quand bien même, tu gagnais une LAN, tu gagnais une LAN, t'allais le mettre sur Twitter Mais non, Twitter ça existait pas, il y avait pas de réseaux sociaux mon gars. T'étais content T'étais content T'avais gagné quoi Honnêtement, t'avais gagné au mieux une carte graphique qui devait valoir à peu près 30 euros, ok Et la plupart du temps, enfin moi j'ai gagné parfois des LAN mon gars. J'ai eu des bons pour aller manger chez Quick. Quick, le truc il n'existe même plus quoi. Non mais sérieusement, des t-shirts Game One. Sérieux. Aïe aïe aïe, putain. Et là vous êtes tous là là à dire. Aïe aïe aïe, bah euh, vas-y, moi j'ai fait une nice cactus et tout. On a gagné que 50 euros. Et 50 euros mon gars. 50 euros c'était le cash price de la World Cup à l'époque. Ah, merde. Quand bon, je vois par quoi on est passé et le peu de respect de certains derrière. Eh hey, boomer, ouais bah boomer, euh, mon gars. Putain Eh, papa, je peux avoir, une... peux avoir une... la nouvelle Wii s'il te plaît euh, C'est pour faire comme Spoil. Des deux paf dans la gueule, ouais. Ça m'énerve. Ah, vous m'avez énervé pour la journée. Le Minitel, c'est vraiment inutile aussi. 36,15. 36,15. Mais t'es ouf ou quoi C'était inutile. C'était inutile de quoi Oh, ça m'énerve d'entendre de ça, mon gars. Il y avait des jeux qu'on pouvait pas terminer, mon gars. T'es obligé d'aller sur 36,15 tips. Ok Donc il fallait que ta daronne ne soit pas en train d'appeler ta grand-mère parce que tu pouvais pas aller sur le minitel et en même temps téléphoner. Donc tu t'allais sur ton truc. Euh, 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 et t'allais sur 3615 tips. Mon gars, ça, ça se chargeait une barre à la fois. Fallait être patient mon gars à l'époque. Taper un pour ton raider. Tu tapais un. Encore. 3 minutes pour le haut de la page. 3 minutes. Ça fait beaucoup là, non 3 minutes, t'étais là. Ah non, merde, tu t'es couré, c'est pas ton Raider 1, c'est ton Raider 2. Et tu recommençais. <tousse> Espérer avoir les tips dans les magazines. Oh, les tips dans les magazines. Non, non, mais attends, le temps, Parce que les magazines. Parce que ça, c'était aussi de ouf. le truc de ouf. Parce que t'avais pas internet. Donc, tu pouvais pas avoir la dernière mise à jour. Ok Mais quand tu faisais une LAN et il fallait jouer à un jeu. Et donc, par exemple, un jeu comme Counter-Strike. Ouais, un jeu multijoueur. C'était donc fait sur des CD. Ok Fallait que t'ailles au PMU du coin. Au PMU, le truc qui sent. À l'époque, ça, ça sentait la gita de maïs, mon gars. Euh, voilà, quoi. Tu te faisais tripoter par, euh, par tonton Daniel, là. Euh, Je te jure, tu payais ça une blinde. Tu ramenais ton CD et tout. Tu faisais trois utilisations. Il était rayé, puis personne ne pouvait l'utiliser. Derrière, tu l'avais dans le cul parce qu'il fallait que tout le monde ait exactement la même mise à jour, mon gars. Mais ça, vous avez pas connu, là. Vous faites clic droit, sauvegarder, machin. Putain. Euh, les démos des jeux. Non, non, le pire, c'était Counter-Strike, quoi. Moi, j'ai joué à la bêta de Counter-Strike, c'était la bêta 7.3, 6.5, enfin 6.4, 6.5, 7.3, 7.5, avant la 1.0, la 1.1, la 1.3, qui sont les plus connues, et 1.5 et 1.6. Ouais, c'était ça, ouais, la bêta, hein, voilà quoi. Celle où la M4, elle avait un zoom. Tu te souviens alors de Pif, tu l'as bien connu alors Mais bien sûr, Pif et Hercule, bien sûr, même si déjà à 12 ans, bon, ça. Voilà quoi, Piff et Hercule t'attiraient un peu moins que la rangée du haut au PMU, tu vois. Là, ça, c'est une blague de beauf que les seuls les plus vieux d'entre vous peuvent comprendre. Hein, voilà, t'étais en train de regarder ton pif, euh, mais paf, t'étais en train de regarder en haut, tu te disais putain, c'est chelou ça. Elle fait quoi la dame À l'époque, le gaming, le truc, et en particulier euh, les personnes qui ont réellement connu les balbutiements de l'e-sport. Et voilà, je, et je sais pas s'il y en a beaucoup qui sont restés, quoi. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y a beaucoup de. de... De personnes qui sont dans. Un joueur comme. Euh, même... Enfin, des joueurs du grenier, etc. Mon joueur du grenier, il est vraiment spécialisé dans. dans de... Je sais pas s'il y a des personnes qui ont plus de 35 piges. Et qui, euh, et qui étaient là dès le début, quoi. Moi, je faisais des LAN en 99, quoi. Moment. Oui, bah, moment. Moment, euh, moment, oui, oui, clairement. Bah, ouais, je suis con, ouais. Moment, on a fait une LAN. Euh, on a fait la Gamer Assembly 4, je crois. À, au Futuroscope. L'un à côté de l'autre. À l'époque, je sais plus. Ils jouaient chez. Je sais, je sais pas qui. On jouait sur Aztec. <laughs> CS, mais bon, il était à Paris lui à l'époque, donc euh, moi j'étais en campagne, donc euh, donc voilà quoi. Paris, ils avaient déjà tout quoi, ils avaient déjà internet et tout, euh, t'es ouf quoi, nous c'était n'importe quoi. Ça. Zerator, c'est un ancien joueur CS aussi, ouais, ouais, World of Warcraft, surtout. Il était euh, sur, sur Zerator, on avait j'avais racheté sa guilde ça lui a jamais plu. Un jour, je partagerai le DM qu'il m'a envoyé, euh, voilà quoi, c'était et ça, ça lui a pas plu, et on en a reparlé il n'y a pas très longtemps. À l'époque, on était vraiment une sacrée bande de trolls sur World of Warcraft. On était bien connus aussi. Mais c'était cool.